Yo tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc pour vous faire voir mon nouveau reptile. Donc j'ai encore acquis un serpent, donc un Pantherophis guttatus la phase attendez, je vais lire ça. Est-ce que je l'ai écrit? C'est Crimsicle. Donc je suis pas trop, enfin je suis pas trop phase, je suis plutôt, enfin je suis plus enfin je sais pas trop comment expliquer. Je l'ai vu puis j'ai bien aimé, donc je l'ai pris. Donc c'était à la bourse au Croco, donc la bourse organisée par l'œil du Croco. Donc il y avait des élafes, des pitons, tout ça. Donc aussi j'ai rencontré des gens, donc mon vendeur Fourmi 91, donc qui était présent, qui avait plein de colos, des trucs énormes. Il y avait aussi Joto Reptile, donc je le vois souvent, hein, donc, vous le savez. Après il y avait merde, qu'est-ce qu'il fait ce con? Désolé, il y a l'iguane qui fait l'andouille à côté, je vais couper vite fait. Donc voilà, désolé, hein, c'est fou le bordel, il voulait aller sur la baffe. Chaque fois il veut aller à la fenêtre. Donc voilà, Pantherophis. Donc j'ai rencontré aussi les deux des géants de la page, enfin de la chaîne YouTube Creativity Gecko. Donc je vais faire un partenariat avec lui, donc j'ai vraiment parlé avec lui pendant une bonne trentaine de minutes, et quelqu'un de vraiment super, on a bien parlé, il m'a expliqué plein de trucs, tout ça, c'est quelqu'un de super. Donc allez vous abonner à leur chaîne, hein, ils font des chaînes, enfin ils ont une chaîne sur les geckos, tout ça. Donc il m'a parlé de ses projets, tout ça, donc que je trouve vraiment super. Donc allez voir leur chaîne. Et si vous aimez bien, abonnez-vous, ce sera, donc je serai en partenariat avec eux. Donc je voulais aussi vous parler donc du terrain qui est, merde on voit pas, qui est là-bas. Il est quasiment fini, hein. Il manque plus qu'à mettre les attaches pour les plaques de plexi. Et donc pour l'instant donc mes serpents sont en rack. Donc le python je pourrais le mettre directement dans le terrain parce qu'il y a une cachette. Mais s'il n'y a pas de cachette, non. Enfin, de toute façon, j'en ai une. Un gros morceau de rondin de bois coupé. Et les laf, je vais devoir attendre qu'ils grandissent un peu. Parce que faut pas un terrain trop grand pour un petit. Donc le voilà, je le trouve vraiment beau. Il mange un rosé de souris toutes les semaines. Donc en gros, mes deux serpents, ils me reviennent à 3 euros par semaine. Hein, ce qui est vraiment pas cher. Comparé à un chien c'est trop commun un chien, je trouve. Et ça coûte beaucoup plus cher en bouffe. Donc là, on peut voir, hein, il cherche. Il est pas craintif. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous demande si vous pouvez hein, d'aller voir la chaîne Creativity Gecko. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!